Salut à tous, c'est NifexSuite, on se retrouve sur Halo 2. Enfin, Halo 2, pas du tout, Halo 3. Un Spartan. Un Spartan. T'as pas intérêt à... Je t'assure, mon vieux. Tout va s'arranger. Vous l'avez-vous trouvé? Roupillet, dans les forêts. Tiens donc. Et Roupillet, tu m'étonnes, n'importe quoi. De même, commandant. Nous allons vous briefer. Les vaisseaux du prophète de la vérité ont passé la lune et détruit ce qui restait de notre flotte. Les pertes humaines lors du bombardement qui a suivi ont été énormes. Il aurait pu atterrir n'importe où. C'est la merde par ici. Il a mis le paquet ici, en Afrique de l'Est, sur les ruines de la nouvelle Mombasa. Et ils ont lancé les fouilles. Et pour Halo ? Nous l'avons arrêté, temporairement seulement. Le prophète de la vérité cherche quelque chose appelé l'Arche, qui permettrait de déclencher tous les anneaux existants. S'il y arrive, l'humanité, les Covenants, tout être pensant dans la galaxie... Les anneaux nous tueront tous. Commandant, l'amiral Hood. Passez-le nous. Des nouvelles, commandant Keyes ? Une grande, amiral. Je vois ça. Comment vous sentez-vous ? Bien, amiral. Parfait. Le commandant a un bon plan. Mais sans vous, j'avais un peu peur qu'on ne puisse rien en faire. Les vaisseaux du prophète sont groupés autour du site de fouille. Son infanterie a déployé des batteries anti-aériennes tout autour. Si nous parvenons à neutraliser l'une d'elles, à pratiquer une percée dans ses défenses... Je lancerai une attaque de faible intensité, pour taper là où ça fait mal. Je n'ai qu'une poignée de vaisseaux, Major. C'est un gros risque, mais je suis sûr que... Oh merde, ça pue. Générateur de secours, vite! Bouclier HS, ils sont en train de charger. Quand ce sera fait, rétablissez la communication avec l'amiral. Dites-lui... Vous n'êtes que de la vermine. Regardez-vous. Vous avez peur. Qu'essayez-vous donc de faire? Croyez-vous échapper au feu destructeur? Votre monde sera carbonisé, anéanti. Aucun d'entre vous n'aura l'honneur de témoigner de notre passage. Pas même votre démon. Ce sera l'apogée de notre voyage. Car votre destruction est la volonté des dieux. Et moi, je suis leur instrument. Ah, il est complètement taré, ce type. Il aime trop s'écouter. Salut, tu m'étonnes. Parlez de moi. Ordonnez l'évacuation immédiate. Pardon ? Nous allons être attaqués. À tout le personnel, code Alpha 1. Il faut qu'on les évacue. Pour évacuation immédiate. Quitte à ce que je les porte sur le dos. Il faut un point de ralliement pour les escadres. Où partons ? En guerre. Tu peux répondre, tu sais. Super, en guerre. N'importe quoi avec les blessés, tu qu'ils fassent quoi ? Bon bah du coup, on va y aller. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer, peut-être ? Et les capteurs ? Soit ils sont HS, soit on ne reçoit rien. Non, y'a que dalle. Allez, on y va. On part en guerre, comme elle a dit. Aucune. Ouh. Qu'est-ce qu'on a par là? Elle veut bien se bouger les fesses, elle reste là-bas. C'est le parti en guerre, faudrait se dépêcher un peu. Ah bah voilà. Ça m'intéresse. De vieux matos. Du coup, qu'est-ce qu'on prend? Bah déjà, cette mitrailleuse, on va la dégager, elle ne sert à rien. C'est avec le petit fusil, là, franchement. Ouais, pistolet, petit fusil, je pense, ça reste quand même une bonne petite base pour commencer tout ça. Avec munitions au max. Est-ce qu'on a autre chose? Y'a pas un petit sniper? Je dirais pas non. On va peut-être pas trop en demander non plus. Non, on a fait tout le tour, y'a pas mieux. C'est très bien déjà. Montez les tourelles. Attention à la ligne de tir. Ok, montez les tourelles. Ah, ça pourra se faire tellement. Voilà, ils arrivent. Préparez-vous à vous battre comme des hommes. Hangar sud, sergent. Ok, Major, à vous de jouer. Ok, pas de soucis, je vais tous les défoncer. Les gars qui s'y croient à fond. Tu m'as fait peur, toi, t'es con? Ouais, bonne chance. Tu m'as fait flipper ma race. Tiens, petite grenade, je ne dis pas non. Est-ce qu'on a autre chose? Non? Ouvrez la porte. Je suis là pour me battre. Neutraliser les ennemis dans le hangar. D'accord, par contre, tu peux ouvrir la porte? Hey, je suis censé vous couvrir. Ah voilà. Ouverture, on y va. Go, 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 go. On va les neutraliser, un par un. Jusqu'au dernier. Major, oh les rats, c'est sérieux, je peux les tuer? Même pas. De choc, ça me nuise. On tiendra pas la base éternellement. Mais non, t'inquiète pas. Pour l'évacuation, et vite. On va y arriver. Le MH1206. Par contre là, ça tire, donc à mon avis, il y a du combat par là. Merde, grenade les gars, vous êtes morts. Vous êtes morts, bande de cons. Ouais, elle a pas fait long la voiture. Elle a pas fait long.
Mais c'est pas grave. On va tous se les faire petit à petit. C'est d'économiser les maximum les batteries. Enfin, les batteries, tout à fait. Les munitions, je veux dire. Allez, meurs, saleté. Crève. C'est bon. On recharge, on se prépare. Est-ce que je peux tirer à travers? Logiquement, oui. Mais oui, tiens. On va faire le salaud. Le gars qui se planque. Avec le petit fusil de précision, ça passe tout seul. Allez, crevez tous. Ah. En se planquant comme un petit enfoiré, ça passe tout seul. Par contre, les munitions sont déjà à sec. Ah, c'est abusé. C'est abusé. On prend le pistolet du coup. Salut toi. Ouh. Ce que t'as pris, mon pote. T'as pris tellement cher. Allez, crevez tous. Il y a un peu beaucoup de monde là. Grenade, je me barre. Je me barre. Bah voilà. Ça marche plutôt bien les grenades. C'est quand même assez efficace. Qu'est-ce qu'on a? Absolument que dalle. Je regardais s'il n'y avait pas des munitions et des trucs un peu intéressants, mais pas du tout. Victoire. Donc, victoire. Bah attends, dis pas victoire trop vite, mon pote. T'es encore loin d'être... les avoir éliminés. Il y a encore du monde par là. Salut toi. Fumier de la plateforme. Eh oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va y arriver. J'ai quand même mis au max les munitions. Je vais volontaire, sinon ils arrivent pas en off. Ouais, ils prennent cher. Ta gueule, saleté. Dans les couilles. Ouh, voilà. C'était Bikao, ça. Ouh, attends, je vais essayer ça. Laisse-moi utiliser la mitrailleuse, s'il te plaît. T'es ouf. Oh merde, y'a personne. Venez par là, les gars. J'ai un super truc pour vous, regardez ça. Elle marche pas mal. Plutôt stylée, la mitrailleuse. D'autres volontaires? Merde, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Je tire, avant je passe, c'est très utile, à part me faire défoncer. Je crois pas que ça serve beaucoup plus. Est-ce qu'elle surchauffe ou pas? J'ai pas l'impression qu'elle surchauffe spécialement. Yes, un canon de moins. On va se faire l'autre, moi, il est un peu loin, malheureusement. Ça m'a l'air un peu con. Ouh, oui, on a pu se le faire. Bah voilà, ça marche très bien. Allez, en mode gros bourrin. Ah, ils se font défoncer dès qu'ils sortent. Oh, la violence du truc, quoi. Ils ont aucune chance face à ma grosse mitrailleuse, là. Ils prennent très très cher. Vous allez vous calmer, les gars. Merci. Putain, mais ils se font défoncer, les types, quoi. Ils sont faits, mais violés d'une force. Prends de bouclier, m'arrange pas des masses. Allez, crève. Voilà, toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon. On va se faire l'autre. On va se faire l'autre. On peut détacher la tourelle, mais je vais pas le faire pour le moment. Parce que du coup, là, j'ai munitions illimitées, c'est une chose qui m'arrange carrément. Ah, crève, saleté! Si on les descend là-bas, je peux rien faire. Non, ils sont trop loin. Ce que je peux faire, là, y a personne. A priori, je les tire à travers, on va voir si ça passe. Bon, bah écoutez, ça passe relativement bien. Dès qu'ils avancent, je les abats. Et tout le monde est content. D'autres choses à faire? Dégage, saleté de vaisseau. Tu vas te calmer, toi. Tu vas te calmer tout de suite. Franchement, c'est plus que tranquille, là. Elle meurt aussi. Ah, voilà. À la sulfateuse, elle a été bien violente. Je vais la prendre. On va se barrer avec. Pélican en action. Êtes-vous prêts? A priori, est-ce qu'il reste du monde? Non, ils ont l'air d'avoir pris bien cher. Ils ont pris bien, bien cher. On va prendre des grenades, si on en trouve. Parce que c'est toujours utile. Non, c'est pas des grenades, ça. Bon, les gars, on fait quoi? Vous avez pas des munitions qui traînent par là? Ça m'arrangerait un peu. Oh, oh. Quand ça pète, c'est rarement une bonne chose. C'est très rarement une bonne chose. C'est bien de venir ici, mais ça sert à quoi? A priori, absolument rien du tout, il n'y a même pas un truc caché. D'accord. Pas de soucis, pas de soucis, j'arrive. J'ai descendu la sulfateuse. Ça, c'est pas une grenade? Je peux en avoir que deux sur moi? Ah, c'est peut-être pour ça. On peut pas en avoir quatre, en fait, c'est deux. Deux et deux, a priori. Alors, on rentre à la base. On va parler avec le Big Boss. Voir ce qu'il a à nous dire. 20 mètres par ici. Alors, sergent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit de venir là, mais je trouve pas grand-chose. Non, faut vraiment retourner là-bas. Ah, ça, ça pue du cul, à mon avis. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, en général. Qu'est-ce qu'il y a? Pour rien dans l'air. Ah, juste là. Bah, suivez-moi, parce que ça pue du cul, là, les gars. Restez pas tout seul. La caserne est à... Vous serez dans la merde, autrement. Les équipes de combat, répondez. Oui, je suis là. T'as la butte, le parcours qu'il faut faire pour revenir. Faire tout dans l'autre sens. Oui, j'arrive, j'arrive. Je réponds, je réponds. Sergent, qu'est-ce qu'on fait? Par là. Oui, oui, j'arrive, je suis là. T'inquiète pas, mon pote. Par les conduits. Oh, oh, oh non, pas ces trucs, c'est tellement dégueulasse. Je déteste. Oh merde, la quantité, t'es sérieux? Je tire au bol total. T'es sérieux? Comment on fait pour se défoncer autant de trucs? Alors, je vais essayer de viser. Que dalle, tu peux rien viser. Ils sont trop. Vas-y, on se concentre, on se concentre. Petite rafale, ils ont dit. Wow, la quantité, quoi. J'aurais même pas assez de munitions. Il y en a derrière, non, il y a personne derrière. Faut moi essayer de se structurer. Il n'y a pas par ici, là? Non. Allez, vas-y. Ah, mais ils sont trop loin, quoi. Vas-y pour les abattre. Ouh,
vas-y, c'est bon. Lui bouge pas, il est mort. Peu volontaire. Bah voilà. C'est pas si compliqué. Par contre, niveau munitions, c'est vrai les gars, il faut m'enfiler parce que là, je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde. Allez, soldats. Fais pas venir m'aider surtout. Type, ils en ont rien eu à foutre. C'est bon, on a récupéré les munitions max. Parfait. On va voir le chef. Un petit cadeau d'adieu pour les Covenants. On l'a relié à des charges plus petites sur toute la base. Johnson, une fois l'évacuation terminée, activez le compte à rebours. Pas de problème. Bonne chance à tous. Je vous retrouve... Ok, on va tout faire sauter, ça me plaît. Suivez-moi. Préparez bien ça. Allez, sergent, je vous suis. Ce Ferrer, c'est celui qu'on avait sauvé dans l'épisode 1. Ah non, il était mort. Non, j'ai dit de la merde. Je sais plus qui c'est, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, c'est stylé, le truc de piratage, j'aime bien. J'aime bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Pris la caserne et ouh, fusil à pompe. Ces salauds, je prends. Ne leur feront pas de cadeaux. On sait tous ce qu'ils font aux prisonniers. D'accord, bon, bah écoutez, on va leur défoncer la gueule. Sauvez nos gars. Sauvez les marines dans la caserne. Jusqu'à la zone d'évacuation. Je vais faire ce que je peux, promis. Je ferai tout mon possible pour les sauver. Alors les gars, j'ai un beau gros fusil à pompe. Oh merde, t'es sérieux? Il est pas loin. Oh merde. Je suis dans la merde. Tiens, petite grenade. Tant qu'il regarde pas. Voilà. Bon, c'est plutôt efficace. Par contre, si je pouvais les viser un peu mieux, ça marche encore mieux. Wouah, c'est quoi ce truc d'énergie là? Je vois que dalle. Ouh. C'était quoi ce délire? Non, mais on voit que dalle quand on vient par là. C'est quoi ce bordel? Vous êtes gentils les gars. Ça m'éclabousse un peu. Éclabousse, tout à fait. Allez, vas-y, grenade. Ça reste la meilleure chose à faire. Encore une grenade au fond. Crevez les saletés. Toi, tu me fous la paix. Boum. Allez, on est presque. Allez, tire, tire, bordel. Boum. Voilà. On cherche tranquillement. On se met à l'abri, tout se passera bien. Par contre, niveau munitions, ça part tellement vite. Je crois qu'on va bien souffrir à ce niveau-là. Ouh, j'aimerais bien prendre ton arme, toi. Je serais pas contre. Vas-y, là, je te bourrine comme un porc. Il est mort. Bah ça, si je pouvais prendre son arme, ça serait une tuerie. Salut, dans les couilles. Dans les couilles, mon gars. Ah, ça, c'est un bon. Ils sont relativement pas trop difficiles à tuer. C'est les boucliers qui font ce... qui éclabousse la lumière. Enfin, qui éclabousse, ça fait qui illumine comme ça. Ça pourrait quand même bien passer, à vrai dire. Toi, tu vas te calmer. Voilà. Ça, t'es un bon. T'es volontaire. Regarde ce que j'ai pour toi. Regarde, mec. Boum. Voilà. Plus de soucis. J'aurais pu venir tout de suite ici, en fait. Histoire de leur piquer la mitrailleuse, ça aurait été quand même plus pratique. À part ça, faut aller où? Faut aller là-bas? A priori. Est-ce que j'abandonne ma mitrailleuse? Allez, on l'abandonne. Ah, génial, d'accord, le bouclier, c'est comme ça que ça se met. C'est bon à savoir. En l'occurrence, j'ai fait de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Par ici, y a que dalle. Non, c'est bien en haut qu'il faut aller. C'est bien par en haut. Ah, j'ai un peu gaspillé mon bouclier, là, pour le coup. Mais c'est pas grave. C'est plutôt stylé, c'est même protection. Alors, venez par là, je vous attends. Ah non, il y a que dalle en fait ici. J'ai effectivement par contre des munitions qui pourraient être intéressantes. Bon, on va pas prendre pour le moment. Les gars, je passe par où? C'est un peu fermé en fait des deux côtés. Bah, a priori, c'est quand même par ici. C'est comme ce qui est plus logique, j'ai envie de dire. À part que j'ai mis mon bouclier qui servait à rien. Bonjour, j'aimerais sortir. Vous avez pas envie? Ah non, le con, juste à côté, il y avait la porte. Le boulet. On a quelques petites armes, il n'y a pas des munitions de fusil à pompe. Ça passerait quand même plutôt bien. Est-ce qu'on saute dedans? Est-ce qu'on est con? Oui, on est con. On y va, on voit un trou, on y va. Ouais, l'armure a pris cher. D'accord, Cortana a quelques petits bugs a priori, elle est pas contente. C'est quoi ces trucs? Viens par là, viens par là. Ouh, ça picote! Ça picote, hein! Vos gueules! Vos gueules, les moustiques! Voilà! Ça, c'est du bon moustique comme on aime. Un moustique qui se la ferme! Et c'est pas si compliqué que ça. Tout se passe bien. Insectes stupides, les prophètes tu... trompent comme ils m'ont trompé. Ouais, effectivement. Révolution! Vas-y! Ouh! Comme je t'ai chopé en l'air, toi! Salut, mon pote! On va aider les soldats, ça te dit? Allez, viens! Les brutes ont pris vos soldats. Ouais, je... difficile à dire. Putain, on va essayer de les délivrer, s'il te plaît, viens m'aider. On va y arriver, à deux, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Waouh, les pauvres! Et bande d'enfoirés! Je vais vous défoncer la gueule! Coucou! Boum! Allez, crevez tous, saleté! Un autre volontaire, regarde ce que j'ai pour toi! Ouh! Putain, la violence du truc, quoi!
J'adore ces machins, c'est une vraie tuerie. Viens par là mon gars. Viens par là, arrête de reculer, sois un homme. Sois un homme toi aussi. Comme ils se font défoncer, j'adore. C'est trop bon. C'est juste trop bon. T'inquiète pas, je vais te sauver le cul. Je suis là pour t'aider. Salut toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ça, regarde ça, regarde, viens là. Boum. Tu l'as senti celle-ci? Toi t'avais pas un truc à me donner? Non. J'aimerais bien changer, j'ai presque plus de munitions. Ta gueule toi. Un peu de respect s'il te plaît. Bah voilà. Toi c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Lance patate. Ah non, une sorte de mitrailleuse un peu pourrie. J'aurais bien voulu retrouver. Oh, j'aurais bien voulu prendre ça surtout. Y'a pas un autre gros marteau là à récupérer? Non, j'ai pas l'impression malheureusement. Bon bah écoutez, on va garder ça. Ouh, quoique non. J'ai mieux. Ça, je prends. Ah, crème, saleté. Ah voilà. Ça marche quand même plutôt bien. Par contre, ça bouffe pas mal de munitions, petite grenade. C'est moi, j'ai pas balancé une grenade. Ouah, le bordel. C'est moi qui ai fait ça? On voit plus rien. Il fait froid. Vous allez mourir, les gars. Attends, si je fais ça, il se passe quoi? D'accord, c'est une petite grenade à deux balles. C'est toujours bon à avoir. Vas-y, petite grenade. Salut, les gars. C'est tellement foiré. Grenade. Parce qu'on a des fous. Ça m'est mouré, quoi. Je mets des grenades dans tous les sens. Tiens, je vais mettre un bouclier. J'en ai pas. Non. Oui. Tiens, non. J'appuie sur tous les boutons pour voir si j'ai pas un bouclier qui sort. Ah, crève, saleté. Fusil à pompe, ça pourrait être utile, là. À mon avis, t'en recharges. Et on sort le fusil à pompe. Venez par là. Il reste combien? Lui, il est mort. Ils sont tous morts en fait. Ils ont pris cher. Boum. Prends ce que t'as pris mon gars. Attends, viens par là. Je vais essayer le B là. Boum. Voilà. A pété un câble. N'importe quoi. Et du coup c'est quoi ce machin? Nous ne pouvons faire plus. Remontons les survivants dans le hangar. Bon c'est plutôt bien battu du coup. On a fait notre taf. Allez on sort les gars. Je vous ai sauvé le cul. Y'a du monde par ici? Des munitions surtout j'aimerais bien. Ça m'arrangerait quelque peu. J'ai l'impression que niveau munitions, ils sont assez radins là pour le coup. Comparé à Halo 1 où il y avait tout le temps les munitions partout. Là, c'est quand même un peu plus chaud à ce niveau. Bon, bougez-vous les fesses, il y a l'ascenseur. On a perdu le QG. Les brutes ont frappé fort. On n'a rien pu faire. On se replie sur l'angle. Ne nous attendez pas. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Tenez la position, je ne pars pas sans lui. D'accord. Est-ce qu'il y a l'ascenseur? Il est en train d'arriver. Bouge-toi les fesses, go, 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 go. Allez, on rentre les gars, bouge. C'est tout? J'ai fait tout ça pour sauver 4 gars? Super, vous auriez pu crever, ça aurait été pareil. Ça va pas changer grand chose. Sérieux quoi? Allez, on remonte, on va voir ce qu'on peut faire. Voir s'il y a d'autres personnes à sauver. Allez. Activité, au-dessus et en dessous. D'accord, ça pue du cul. Ils sont des jetpacks. Absolument partout. Ah, des jackpots, t'es sérieux? Virez-les de là, lieutenant. Oh la violence du truc, des jackpacks. Vas-y, enfuyez-vous. Salut vous, boum. Tu le sens mon gros fusil à pompe? Ouh, oh, comme il a giclé le gars. Est-ce que je peux te taper? Ouais, je mets quelques munitions comme ça au passage. Où est-ce qu'ils sont? Ah mais ils sont tous morts. Ah, ils sont fait mais défoncer. Appuyez longuement sur RB pour échanger contre mine antipersonnelle. Non, ça ne m'intéresse pas, mine antipersonnelle. Ce n'est pas spécialement intéressant, enfin. Putain, ils tirent sur qui? Ah merde, il y a un gars là. Ouh, tu t'es fait violer, toi, mais d'une force. T'as pris bien cher, mon pote. Grenade, qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de vous battre. Ah non, mais il y a encore du monde. Moi, j'y vais en mode gros bourrin. Je crois qu'il y a plus personne. Bouge pas, toi. Bam dans ta gueule. Voilà. Un autre. Un autre volontaire. Il est là. Bam dans les jambes. Ils sont combien, quoi? Boum. Le fusil à pompe, c'est une tuerie, quoi. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh, hey, décide. Bouge-toi le cul, quoi. Y'a d'autres qui arrivent? Non, c'est bon, c'est nos potes. Évacuation! Merde, ça s'appuie, par contre. Allez-y, on essaie de se les faire. Ah voilà, ils ont pris cher. Ah, ils ont pris très très cher. Ok, y'a encore des potes qui arrivent, tant mieux. Est-ce qu'on peut se barrer comme ça? En mode grosse pute, rien à foutre, aucun respect. Non, il faut attendre. C'est les humains qui évacuent, pas nous. Dans le QG, ils ont désamorcé la bombe. Désolé, oh merde. Non, ils étaient trop nombreux, même pour moi. Major, retournez au QG. Super. Mission suicide, quoi. Il faut que je sorte nos hommes d'ici. Mais je m'occuperai de votre évacuation. Bonne chance. Ok, ok. On va faire ce qu'on peut. Le truc complètement kamikaze. Mais bon, ça vaut la peine. C'est pour tous les faire crever. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on va le faire. Revenez par là. Oh, oh. Et Cortana, faut te calmer, sérieux. De la Terre et de ses colonies. Elle a pété un plomb, Cortana.
Il m'aide, elle me fout la merde. Salut toi. Oh. Vas-y, je prends ton arme. Non. B pour détacher. Ah oui, cool. Vas-y. Je crois que c'est un peu de la merde en fait ces trucs. Quoique, non, ça va. Ça va, c'est quand même efficace. J'ai un peu peur, mais c'est bon. Salut toi. Oh, j'adore. J'adore ça. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci. Ça pète ces trucs. Bon, vas-y, fais-moi péter ça. Wow, pou pou. Ah merde, c'était un peu violent. Je pensais pas que ça pèterait à ce point. Je me suis fait un petit peu avoir là pour le coup. Bourriné, crevez tous, bande de saleté. Bah, du coup, je passe plus de munitions. Je vais récupérer. Attends, vite. Bouclier rechargé, parfait. Je vais prendre celui-ci. Non, il n'y a pas de munitions. C'est de la merde. C'est de la merde. Change. Change, change. Celui-ci peut-être. Attends, mais dégage. Moi, cette arme, voilà. Récupère celui-ci. Non, celui-ci. Non, on va y arriver. J'ai dit, prends-moi ça. Voilà. Merde. Ah, je vais y arriver. Prends-le. Appuie sur B. C'est bon, maintenant on peut les défoncer. Vous allez me le payer, bande d'enfoirés. Tirer dans le dos, franchement, c'est vraiment un petit joueur. Nous apprendre la vie. D'autres volontaires? Ils font un peu mal, ces cons, là-haut. Bon, ça, niveau armure, on prend quand même pas trop cher. Ils se font bien défoncer. C'est bon, il est mort. Ils sont bien résistants, ces cons. Crevez! T'as mis, il court super vite. Voilà, toi, t'es mort. La bombe est par ici, ça fait rare. Dans cette direction. Alors, venez par là. Attends, je vais refaire péter ça. C'est trop drôle. Boum! Mais c'est violent, l'explosion, quoi. Pouf, la tuque. Pas de matériel, jusqu'au QG. Merde, c'est l'autre côté, quel boulet. Je suis dans le mauvais sens. Bah, du coup, dégage-moi ça, ça sert à rien. On ira plus vite à pied. 70 mètres dans cette direction. On y est presque. On y croit. On va les défoncer. En mode psychopathe. Merde. Non, c'est pas par là. Les gars, qu'est-ce que je fais? Peut-être en bas. Oui, effectivement, c'est tout simplement en bas. Non, rends-moi mon arme, s'il te plaît. Rends-moi mon arme, sois gentil. Ah là là. Vas-y, change d'arme. Rends-moi mon bon gros fusil. Et au passage, je récupère ça. Ça pourra toujours être utile. Tour à plasma récupéré. On avance très lentement, mais c'est tellement puissant ce truc que ça vaut franchement la peine. Vas-y, ouvre la porte. Je pense à faire tomber l'arme. Non, même pas. C'est bien foutu. Nous avons pris le centre de commandement. Que dalle, mec, t'as pris que dalle. Coucou. Regarde, tu m'avais pas vu. C'est con, ça. Avec tous tes petits... Hop, 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 attends, ils font super mal. Vas-y, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ouah, je vais mourir. Je vais mourir, je vois rien du tout. Ah, crève, saleté. Crève, j'ai dit. Il reste qui? Où est-ce qu'il est? C'est bon? Bon, bah écoutez, c'était pas si difficile que ça. Ça s'est passé relativement bien. C'était pas trop compliqué. Allez, mon pote. Bombe armée. La bombe est armée. On a une sortie. On peut se barrer? Ascenseur de service dans le hangar. Allez en bas. Ascenseur de service. Voilà. Allez en bas. Trouvez l'ascenseur et échappez-vous. Je crois que j'ai compris. Allez en bas. Ouais, c'est bien par ici. Parfait. On économise au maximum nos munitions. Salut les gars. Wow, il y a du monde par ici, donc. Hop, hop, hop. Ça part un peu en cacahuète. Niveau électricité, là, on commence à être un peu juste. On commence à manquer d'énergie. Merde, on change d'arme et on y va. On se met à couvert si possible, c'est quand même préférable. Qu'est-ce qu'on a? Fusil à pompe. Salut vous. Boum. Coucou. Attends, mais meurs, s'il te plaît. Merci bien. Je sais pas par où faut que je passe. J'ai pas envie de trop perdre de temps ici. T'es sérieux, t'es pas mort? Voilà. À mon avis, c'est par là. Pas des munitions qui traînent. Non, que dalle. Absolument que dalle. C'est par là. Allez, go, go, go. On va s'enfuir. On va survivre. On va pas mourir aujourd'hui, ça serait quand même un peu con, après tout ce qu'on vient de faire. Et Cortana, fous-nous la paix, sérieux. Bah merci, c'est sympa. Dans le genre, elle est super positive, Cortana. Y'a que de la merde qui t'attend dans ton futur, je peux le lire. Bah super. Recharge au passage, histoire d'être prêt au combat. À part fuir, vous voulez pas faire autre chose? Boum. Ouah, ils sont tous en train de fuir, t'es sérieux? Ouah là là, attends, grenade, ça va calmer un coup. Ouf, la violence du truc, quoi. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Ah, ils sont tous en train de fuir. À mon avis, c'est pas bon signe. C'est que tout va sauter dans un instant, donc on va se grouiller. En même temps, c'est un peu le but de tout faire sauter. Faut juste qu'on ait le temps de survivre. Forcément, ce serait un petit peu gênant, autrement. Non, absolument que dalle. Je me sens un peu seul, quand même. On cherche l'ascenseur désespérément. Une plateforme, là, qui ne sert à rien. La sortie est fermée. Peut-être de l'autre côté. Oui, c'est par là. Allez, bougez-vous les fesses. Cortana, ta gueule, j'ai dit. Deviendrai le meilleur. Merci. C'est déjà plus positif que tout à l'heure. Je préfère quand même des messages comme ça. Salut les gars. Boum, fusil à pompe. Ça picote, hein. Ah, ça picote.
Regarde, c'est boum. Et recharge plus vite. Recharge un coup. Par ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau d'être ici, mais quel est l'objectif de la chose? Je crois qu'il parlait d'un ascenseur, on va voir si on trouve quelque chose. Ta gueule! Voilà! Toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon. Trouver cet ascenseur. Oui, je fais ce que je peux. Je cherche son foutu ascenseur. Mais c'est un peu la merde, en fait, ici. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ça pue très fort. Ah, on y est presque. Allez, ta gueule, toi! Voilà! Coucou! Faut pas tomber la tête, vous savez? Autrement, vous êtes mort. Allez, active l'ascenseur. Qu'on puisse se barrer de là. Activation. Allez, on est à fond. On est à fond, les amis. On va leur péter la gueule. Wouah, ça pue par ici. Cet endroit. C'était juste. Sera votre chute. Point de contrôle, chargement terminé. Wouah, ça pète. D'accord. À mon avis, ça pue du cul, tout ça. En tout cas, j'ai la manette qui vibre un truc cet de fou. Cet endroit sera votre tombe. Fin de mission ou pas? Ma tombe, personnellement, j'aimerais éviter, tu vois, Cortana. Ça ne m'arrange pas. Yes! Mission réussie! Bah, c'est cool, ça! Avec le petit succès, résistance! Bah, du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à un petit pouce bleu et je donne rendez-vous tout bientôt pour la suite de l'aventure! Ciao, ciao!